qu'au ce grand jour du tiers de l'année, quand la lune et le soleil se retrouvent au mi-temps du jour, notre peuple de nageurs se lève et se met à marcher. Notre peuple est partagé depuis toujours. D'un côté l'océan qui peut nous nourrir. De l'autre, par-delà la plaine immense, par-delà l'océan couvert de glace, un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous d'amour. Désormais, debout, nous retrouvons notre pas de nomade. Et nous marchons, un jour, deux jours, 10 jours, 20 jours. Autant de nuits, autant de froid. Voici le temps de la première marche. Vous avez tenu. Tu es revenu à temps. Tu es encore là. Toi que je découvre. Mon merveilleux fils de l'hiver. Mon tout petit. Libre.
Bien sûr, il y en a toujours qui veulent pas se débrouiller tout seuls. Ils traînent dans les poches, ils font semblant d'avoir froid. Mais pour eux, même régime, debout comme tout le monde, et deux pas sur la glace, on marche. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Maintenant, on est indépendants. Comme nos pères et nos mères sont venus de la mer, nous marchons à notre tour vers l'océan. Nous quittons l'eau à Mok pour rejoindre notre peuple dans la douceur des profondeurs. Un jour lointain, ce fameux jour du tiers de l'année, quand le soleil et la lune se retrouveront dans le ciel, il nous faudra jaillir de la mer et redevenir marcheurs. Fidèles au serment des pères de nos pères, nous reviendrons ici pour danser la vie sur le plus grand des hivers et perpétuer à notre tour la marche de l'empereur.